bien, bonsoir tout le monde, c'est Pika malade parce que je suis actuellement malade. Alors je sais pas si c'est le Covid, je sais pas si je vais peut-être mourir, mais peut-être Corentin, et ben voilà, je suis déjà mort alors que ma carrière n'est pas commencée, fait chier. Aujourd'hui, j'ai passé une heure à trouver un concept intéressant pour finalement trouver un hobby. Je suis allé sur CurseForge et je me suis dit, mais tiens, mais si on essayait les mods les moins téléchargés de tout CurseForge. J'ai cherché ça sur la barre de recherche, les mods les moins installés, yana. Et puis paf, je suis tombé sur celui-là qui n'a que deux installations, qui est sorti il y a 3 jours et qui a l'air plutôt sympathique parce qu'on va se faire chasser par des démons. J'ai pas testé le mod hein, parce que j'en ai déjà testé 2 ou 3 avant cette vidéo et ça n'a pas marché parce que il y a certains qui savent pas coder des mods correctement, bordel de merde. Comment je fais moi pour faire des vidéos correctes, moi, merde. On y va, on fonce, on joue à ce mod et puis on est parti, merde, on va se faire chasser par les putains de démons. Les démons là, ils font peur là. C'est bien ça comme nom. On est parti. Par contre, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je dois accepter des trucs. Mais on est où ici? Merde. Mais attends, mais qu'est-ce que j'ai installé moi? Le mode a l'air ouf, tu sais. Moi je me suis dit, je vais installer ça dans l'espoir que je me retrouve avec un mode nul à chier. Et finalement, le truc est super quoi. Non mais on est. Wouah, il y a des putains de dragons, sa mère. Mais en fait, on dirait un peu RLCraft, ça me rappelle un peu des mauvais souvenirs. Non mais voilà, faut le dire, faut se l'avouer. Ah, on a déjà un livre. Non mais vous me prenez pour qui? Introduction. Je sais pas lire l'anglais. On est en France, monsieur. Moi, je lis pas les introductions en anglais. Non, mais on va s'en sortir avec notre simple. Avec nous, quoi. On a toujours fait comme ça chez la Pika Bezaïnsi, d'accord? Nous, on a toujours fait ça à l'arrache en se disant ça va passer. C'est toujours passé. C'est pas aujourd'hui que ça passera pas, d'accord, monsieur? Ils ont pas l'air de m'attaquer. Ils ont l'air plutôt cool, hein, finalement. Ça a l'air d'être de bonnes personnes. Non, mais voilà. On est tombé sur enfin un monde en paix. Pas un monde qui veut nous niquer le cul à chaque fois, bordel. Qu'est-ce que t'as, toi, le chip? Je vais te niquer tes grands morts, d'accord? Putain, mais je vais crever avant la fin de cette vidéo, fais chier. Enfin, je crois qu'ils ont l'air sympa. Hein. Par contre, ils sont indiqués d'un point rouge qui ne me rassure pas du tout. Je vais peut-être mourir par la main ou les ailes ou les griffes selon votre choix de disposition. Hein. Je suis pas votre daronne, d'accord? Vous débrouillez. Nous, on fait des cabanes dans les arbres, ok? Nous, on n'est pas des oh, ouais. Putain, j'aurais pas assez de bois. Putain, j'aurais pas assez de bois, bordel de merde. Non, mais voilà ce que c'est, le laxiste. Ça me fait beaucoup rire parce que t'as quand même Minecraft qui m'a dit oui, alors il y a des dragons, puis ça peut faire planter votre PC. Genre, mon PC, il est assez puissant pour faire tourner des dragons. Bien sûr que oui, je vais mourir Minecraft. Est-ce que je vais prendre le risque de le faire quand même? Bien sûr. Durant cette recherche de mode avec le moins d'installations possible sur CurseForge, j'avais quand même des trucs assez bizarres. J'ai pas forcément osé installer parce que je me suis dit, si je me retrouve avec un virus ou les codes nucléaires français et que je me fais arrêter par le SWAT, ça va pas être cool quoi. Évidemment, il y a un moment, je vous mettrai des images si je réussis à le retrouver. Mais t'avais un mode avec une image super bizarre qui disait, ouais, j'ai fait ça parce que je suis énervé. Et du coup, j'ai fait ce mode là. Et je me suis dit, s'il est énervé, c'est pas pour rien, c'est sûrement qu'il est russe. Non mais voilà, après, je fais des conclusions. Hâtif peut-être, mais moi je suis encore vivant, monsieur. Oh putain, j'ai failli me briser la nuque au sol. Ce qui est bien, c'est qu'on voit les mobs sur la map, donc j'ai le temps d'anticiper. Attends, mais il y a un truc là. Je vous dirais un truc pas naturel là sur la map. Oh putain, il y a plein de trucs rouges. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va y aller, let's go. On va quand même se faire une épée parce que bon, on sait jamais hein, s'il y a trop d'étrangers. Oh, il y a des matériaux spéciaux. On va se faire un plaisir d'aller les miner. Oh, mais c'est grave stylé ici. Putain, mais en vrai, je peux en faire ma maison. Ah bah voilà, la déforestation, la destruction de l'humanité. Non, mais bon, mais mon FBI open up, c'est ça? Là, 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 mais hey, oh, hey. Attends, il y a pas un truc sous les laines? C'est que c'est un peu glauque, quoi. Non, mais je m'attendais pas à voir ça en rentrant ici. Je ne juge pas, chacun fait sa déco. Mais du sang comme déco, c'est pas où? Il y a peut-être un truc, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un assez gros bleu. Ah non, c'est vraiment un truc qui vole en fait. Mais non, il y a rien en dessous. Mais what the fuck? Oulala, mais je ne sais même pas quoi dire. Mais ceci est la conséquence de la mondialisation sur le commerce français. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Oh, monsieur. Eh, vous allez redescendre de votre arbre, vous. On dirait un sac plastique. Le ref, il est bloqué dans l'arbre. Mais regardez comment Pika Base est imposant. Il a fait bugger un dragon. Par contre, il peut arrêter de faire de la dubstep parce que là, c'est chaud. Viens là que je t'en fume. Moi, j'ai. Arrête de fuir. Arrête de fuir ton destin. Bah là, j'en vois pas beaucoup des démons. Hein. Je vois des dragons cons, mais pas de démons. Oh, un putain de bébé zombie. Brûle des flammes de l'enfer. Tu ne toucheras point. Ah merde. Non, il va arriver dans l'eau, ce con. Faire le show. Oh, what? Pourquoi il y avait son âme pour... Je suis un chasseur d'âme. Je suis un soul hunter ou quoi? Attends une minute. C'est pas le truc où tu peux te transformer en le mob Non, c'est... Je sais plus. Non mais voilà, le monde de Minecraft est plein de surprises. Et je vais buter ce putain de mouton. Toi aussi tu vas mourir comme tes confrères. T'as cru que t'allais pouvoir m'éviter? Je crois pas. Qu'est-ce que... Oh, qu'est-ce que c'est, quoi cette merde? Mais quoi? Ah, mais quoi? On dirait une grand-mère japonaise avec un éventail.
Putain, c'est quoi ça? Oh yes, je peux trouver l'endroit où je suis mort comme une merde. On va retourner à l'endroit où je suis mort pour récupérer mon stuff. Mais j'ai peur du démon là. Le démon, il avait un giga éventail japonais. Non, mais on est dans Demon Slayer ou quoi? Y'a un creeper! Toujours là ou pas le dé. Mais putain, mais casse les couilles! Je suis passé au travers les squelettes. Hop là, hop là! Tu ne me toucheras point! Ah si, tu m'as touché. C'est trop stylé! Ah! Mais c'est qui lui? What the fuck? C'est un démon Steve! Mais fils de pute, il a un poil! Mais putain! Où est mon endroit de mort? Par là, j'y vais! Pourquoi y'a l'empereur Palpatine là? What the fuck? Mais y'a le Joker! Ah! Oh putain! Oh, j'ai peur! J'ai eu tellement peur! Il a un katana, ce fils de pute! Je suis entouré de weeb! Pourquoi y'a des attentats? Oh, je vais. Oh! Wow! Mais c'est pas... Mais what the fuck? Mais c'est injouable! Oh putain, ils se battent! Regardez les weebs, ils se battent! On va faire me battre face à un zombie qu'à lui, là! Éloigne-toi! Oh putain, il me repousse! Oh, oh, oh oui! Oh oui, profitons-en! Ok, j'ai un katana! Mais putain, mais j'avais un katana! C'était trop stylé! Oh, bonsoir, Itachi! Comment ça va? Tu as crevé? C'est ça, d'avoir tué toute sa famille, Itachi! Ah, mais putain, mais il y a un putain de terroriste! Il vient d'Al-Qaïda, lui! Mais regarde, ils sont en train de se battre comme des fous furieux! Non! J'ai chopé mon katana! What the fuck? Mais vous battre maintenant! Je suis un dieu vivant! Si j'avais parlé en japonais, j'aurais fait des. Oh, c'est vous! Laissez-moi reprendre mes dus! Oui! Oui! Let's go! Un vase? Putain de merde! Vas-y, je me casse d'ici tant qu'il est encore temps! Pika Base l'animé! Pika Base devient weeb! Doit rentrer à la maison! Devenir le plus fort des Hokage! Putain de ça! Waouh! Waouh! Attends, mais trop d'informations là d'un coup! J'ai pu récupérer tout mon stuff, ça c'est plutôt bon signe! Mais regardez-moi ça, je fais des tricks de fou parce que je suis un putain de ninja! Guettez-moi ça! Ah, bah pas trop en fait. Il y a un gros truc rose là, bien moche. Prends-toi mon katana enflammé. Ah, oh, 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 il perd pas de vie. Il est surpuissant. Éloigne-toi de moi, démon de la mort. Bah, il bouge pas beaucoup, hein, quand même, le goldfish démon. Oh, putain, par contre, il me trace jusqu'au cul, ce fils de... Ah, vous avez vu comment j'ai regardé des animés? C'est pas vrai, j'en ai regardé que deux dans ma vie, d'accord? Oh, quoi, non. Ah, putain, hé, Y'a un démon qui vient de spawn, je dois le tuer, il est où? C'est toi? C'est toi le démon? Oh! Je l'ai entendu! J'ai un katana maintenant, mon ref! Tu pourras pas m'avoir! Oh! Oh! What? C'est quoi cette merde? Il va crever, ce fils de chien! Mais il est... Mais... Il était à un point de vue, ce fils de pute! C'est qui ce mec? Waouh, c'est qui ce mec? Oh, what the fuck? C'est quoi ça? Attends, objectif à atteindre ça. Eh, toi là! J'ai une épée de feu léguée par mon grand-père qui était un sage. Je viens pour niquer ta mère! Oh, mais attends, mais il y a un truc gigantesque ici, ça a l'air. Eh, putain, ça fait un gigatrou dans la montagne! Oh, mais voilà, l'écologie, on dit que c'est pas grave, mais bon. Les Japonos là, ils sont un peu chiés avec leur construction quand même. Oh, mission numéro 1. Oh, j'ai une mission. Quelle est ma mission? Oula, il se passe des trucs un peu étranges par ici, dis donc. What? What the fuck? J'ai eu peur! Arrêtez de vous battre! What the fuck? C'est quoi ça? Mais qui? Je dois buter qui, bordel de merde? Il s'appelle démon Aïe! Oh! Mais c'est qui le fils de pute qui vient de me toucher là? Mais quoi? Mais par qui? Je me suis fait tuer par un putain d'arbre vivant! Attends, mais c'est quoi ce... Oh! Est-ce que quelqu'un peut me faire remonter? Non mais c'est un peu embêtant quoi de rester ici. Hop là, t'as des espèces de bites géantes. Ok, d'accord. Le démon, moi je vais me le faire. C'est lui là. Hein, c'est toi qui m'as tué. Ah bah maintenant que je suis invincible, tu dis plus rien ça. C'est toi le démon. Oh, t'es moche. Oh, on va te niquer toi. Oh, t'es qui? C'est toi le démon depuis le début. Bah ouais, voilà, t'es mort. Ah ouais, bah maintenant que je suis invincible, ça fait moins le malin. On ne défie pas Pikabé. Et toi là, avec ton nom japonais, on va te renommer Francis. On est en France ici. En France. Bon, voilà, après avoir commis un véritable génocide sous les yeux de cet homme complètement apeuré. Ouh, y'a un démon! Oh, le combat final! Démon versus Pika Base! Viens te battre! Je suis en tenue d'écolier, capable de te défier! Tu vas mourir! Oh! Oh, il est mort! Putain, mais j'ai ramené la paix dans ces lieux, et du coup, y'a que des Demon Slayer et pas des dents d'arbres cosmiques là qui viennent me. J'ai rien dit! J'ai rien dit! Un mec extrêmement dangereux! Mais attends, frère, y'a un mur! À l'aide! Aidez-moi! En fait, j'ai installé un mode d'animé. Y'avait pas marqué Demon Slayer. Oh, mais voilà, moi je me retrouve dans un truc Demon Slayer. Voilà. Non mais c'est toujours la même chose avec Pika Base. On vérifie pas les modes parce qu'on galère à trouver des modes. Quand on trouve des modes, on se dit oh, il est bien ce mode. Normal, c'est un putain de mode d'animé à la con. Pika Base, le Demon Slayer ou quoi?
Je crois que j'ai rien compris du tout. Viens te battre. Viens te battre. Là, 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 le combat final. Mais putain, mais il perdait pas de vie, fils de pute. Bah, c'était une découverte plutôt agréable, hein. Comme quoi, les mods sur CurseForge sont parfois des mods assez sympas. Bon, malheureusement, c'est un mod complètement qui m'est inconnu parce que c'est un mod dans putain d'animé que je n'ai jamais vu et que j'aimerais bien voir en vrai. Mais vu que j'ai pas le temps dans la vie de tous les jours parce que ma vie pue la merde, et bah voilà, je m'en trouve ici. Oh, mais attends, mais je le connais, lui, c'est Tanjiro ou quoi?